Salut les sélecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation anime et aujourd'hui je vais vous parler de Lost Orage Inside Wycross. Accrochez-vous à vos decks, c'est parti. Wycross est un jeu de cartes à collectionner ultra populaire dans cette série à laquelle les combattants vont devoir utiliser des cartes nommées Elrigl afin de se combattre les uns les autres. Ces fameux sélecteurs vont avoir la chance d'avoir un souhait qui peut leur être accordé, mais attention, cela a bien évidemment des conséquences ultra néfastes s'ils n'arrivent pas à gagner leur combat. Et dans cette aventure, nous allons retrouver la jeune Suzuko Omura qui va retourner sur le lieu de son enfance, elle va réemménager là où elle a grandi. Elle se réjouit à l'idée de retrouver son amie d'enfance Shinatsu Morikawa, mais malheureusement les retrouvailles entre les deux jeunes femmes ne vont pas du tout se passer comme Suzuko l'espérait, et Shinatsu va se montrer être totalement différente et surtout très très froide envers Suzuko. Personnellement, cette série, je l'ai tout simplement adorée au point que je suis devenu un fan absolu de ce fameux jeu de cartes. Cet animé, je l'ai trouvé super immersif, super intéressant, super intrigant, bref, tout ce que vous voulez au niveau positif. Il est tout simplement énormissime, les personnages sont attachants, on se prend vraiment d'affection pour chacun d'entre eux et leurs fameuses Elrig, qui sont pas forcément celles que l'on attend et qui sont assez souvent très néfastes. J'ai adoré le fait que ce jeu de cartes devienne une sorte de survival game assez horrible et assez tragique, et pour cela, la série est très bien ficelée, très bien faite, et c'est un véritable plaisir à découvrir. Concernant les points forts de l'anime, un scénario tout bonnement incroyable avec des rebondissements juste hallucinants. Il est très immersif, on a vraiment l'impression de combattre avec nos héros préférés. Vous avez des rebondissements en chaîne à chaque épisode et ça c'est juste génial. Vous avez un anime de jeu de cartes, donc ça évidemment si vous êtes fan du genre, c'est tout simplement incontournable. Des personnages attachants bien évidemment et surtout voilà des émotions fortes à l'appel. Concernant les points faibles de l'anime, eh bien je dirais que le jeu de cartes est peu expliqué, même si on connaît un petit peu le fonctionnement du jeu, ça ne nous est pas totalement expliqué et ça c'est un petit peu dommage. Et enfin, dans ce que je considère un petit peu comme négatif, mais ça fait tout de même le charme de la série, c'est l'héroïne qui va un petit peu traîner en longueur, elle va mettre un petit peu de temps, je dirais, à rentrer dans l'aventure et à se lancer totalement, mais elle se rattrape très très bien à la fin. Mon avis concernant cette série, bien évidemment une série bouleversante avec des révélations tout bonnement surprenantes, des personnages bien développés avec un jeu qui a l'air juste extra, on a tout simplement envie d'y jouer. Et pour un animé basé sur un jeu de cartes, son originalité se détache totalement des autres, on est vraiment au bord d'un survival game qui est à la fois super intéressant et super cruel. Bref, c'est tout simplement un must. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo de présentation de Lost Orage Inside Wycross. N'hésitez pas à le découvrir librement sur Crunchyroll. Je vous recommande cette série à 100%. Et avant de vous laisser mes sélecteurs, je vous dis juste open!